C'est chaud devant. C'est chaud devant. Je vous promets que c'est chaud devant. Ils vont mal passer la fête de fin d'année. Ali Bongo et ses amis vont mal passer la fête de fin d'année. Parce que le deuxième livre est déjà là. Le deuxième livre est déjà là-haut. Hein? Ça va chauffer. On va entrer en mode Gipanz Mitsak. Vous savez ça, non? Voilà. Là, on est en train de monter le niveau. Oh! Biba a béré un niveau. Biba a béré un niveau. Voilà. Ça va chauffer. Ils ont interdit que l'ex-Soga Press vende mes livres au Gabon. Ça ne m'étonne pas. Je m'attendais à ça. Vous savez, le jour où le piment devient sucré, ce n'est plus du piment. Voilà. Si le piment devient sucré, ce n'est plus du piment. Donc, ça ne m'étonnait pas. Mais on va trouver un moyen pour faire entrer les livres au Gabon. C'est notre pays. Je fais ce travail. Les Gabonais doivent en être les premiers bénéficiaires avant les autres pays africains. Il y a d'autres pays africains qui en demandent. Mais d'abord, le Gabon. Parce que je me bats prioritairement pour les Gabonais. Et les Gabonais doivent savoir l'histoire de leur pays. Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Gabon. Donc, le deuxième livre est là. Ce qu'on va faire, vous allez me contacter par mon WhatsApp. Et j'enverrai les livres en fonction de la demande. Parce que ça coûte cher d'envoyer les livres par Air France. Ça coûte cher d'envoyer les livres par les autres canaux là. En fonction de la demande, on retiendra le nombre envoyé à chaque fois. Que ce soit pour le premier, je ne sais pas si vous avez vu le premier, il faut que je vous le montre d'ailleurs. Un instant. Donc, ça va chauffer. Donc, les deux sont déjà là. Il y a déjà deux. Mais ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Qui est sorti hier. Chez l'Armatan. Il faut que vous ayez les deux. Voilà. Pour comprendre. Parce que c'est une suite logique. Et le dernier, là, qui est sorti hier. Annonce le troisième qui est en cours de finalisation. Donc, vous avez mon numéro WhatsApp. C'est le même numéro du balcon. Depuis des années, je ne l'ai pas changé. C'est le 0033 7 52 52 36 52. Le numéro WhatsApp, c'est le 0033. 7, 52, 52, 36, 52. Voilà. Donc, pour ceux qui sont au Gabon, il faut passer la commande. Pour ceux qui ont des cartes bancaires, vous pouvez passer la commande directement à partir du site de l'Armatan ou à travers Amazon. Donc, à travers le site de l'Armatan ou d'Amazon, vous pouvez commander le livre. Version papier ou version numérique, c'est vous-même qui voyez. Mais moi qui suis né au village là, j'ai toujours préféré la version papier parce que moi je suis né au village, je n'ai pas connu le numérique là-bas. Dans mon manger natal, il n'y avait pas d'internet. Je peux vous dire la vérité.
Voilà. C'est quand je suis arrivé à Libreville que j'ai connu Internet, que j'ai connu les ordinateurs. Donc, vous pouvez passer, si vous avez une carte bancaire, vous pouvez aller sur le site et vous commander. Et il y aura quelques petits frais qui vous seront demandés pour expédier ça au Gabon par votre adresse de la poste. Comme ça, vous irez chercher ça à la poste. Ou bien le facteur passera chez vous, il va vous déposer ça. Il y a un Gabonais qui est au Japon, qui a commandé. Il y a un autre qui est en Corée même, qui a commandé, qui a déjà reçu son livre. Donc, si les gens qui sont loin reçoivent leur livre, c'est que vous qui êtes à côté au Gabon, à 6 heures d'avion de Paris, vous pouvez recevoir ça. Maintenant, si c'est compliqué, vous m'appelez par le WhatsApp, le 0033 7 52 52 36 52. Comme ça, je veux tout organiser pour vous envoyer ça. Voilà. Ali Bongo n'a pas interdit la vente en tant que telle. Il a seulement interdit que sa société, puisque la société qui distribue les journaux là-bas, c'est lui qui a acheté ça. C'est sa propriété maintenant. Et comme c'est un mauvais perdant, c'est un mauvais concurrent, donc il ne veut pas. Et pourtant, ils savent que c'est du bon produit. Même les Français apprécient. Alors, si les Français apprécient ce produit, pourquoi pas les Gabonais, même les premiers concernés? Donc, on va écrire l'histoire du Gabon. On a beaucoup parlé sur Facebook. Et sur Facebook, ça passe vite. Les vidéos s'effacent parfois. Les comptes peuvent disparaître. Mais ça ne disparaît pas. Vous avez les œuvres de Victor Hugo qui sont là depuis des années. Victor Hugo est mort en 1800, comme je ne sais même plus. Mais ces œuvres continuent de vivre. C'est pourquoi, comme l'ont écrit certains Gabonais, il faut absolument qu'on écrive l'histoire du Gabon pour que les enfants qui viendront demain sachent ce qui s'est passé. Qui a fait quoi au Gabon? C'est important de savoir ça. Dans le nouveau livre qui est sorti hier, vous allez découvrir des choses dedans. Les massacres perpétrés par Ali Bongo. Vous allez découvrir ça. Parce que souvenez-vous, le 25 septembre, Ali Bongo, gêné aux entournures, avait arrêté Albert Yangari pour que l'Union, le seul journal qui avait pu accéder à Port-Gentil à travers ma personne et l'autre reporter photographe, Wilfred Mbina, pour que l'Union ne parle plus de ça. Et comme il a racheté le journal, on ne pouvait plus parler de ça. Vous savez que Albert Yangari a été arrêté. Moi, j'ai été contraint à un exil intérieur d'abord. Ma maison a été saccagée. Mais il m'appartenait de dire la vérité. Il m'appartenait de dire la vérité. Je ne peux pas vieillir et mourir sans vous dire ce qui s'est passé. Ce qu'on a interdit à l'Union. Donc, tout ça, vous allez retrouver. Là où il y a le charnier, même s'il réussit à me tuer par miracle, parce que Dieu ne va pas permettre ça. Maintenant, vous saurez où se trouve le charnier exactement. Comme ça, le jour que Ali Bongo va tomber, vous irez déterrer. On n'oublie pas, ce sont des crimes imprescriptibles. Voilà, j'y arrive. Donc, ce ne sont pas des choses à cacher. Je dois la vérité au peuple gabonais. Je dois la vérité au peuple gabonais. Donc, rien ne va me décourager, même pas les intimidations ou les interdictions de commercialisation de mon livre. Ce n'est pas grave. Il a interdit sur la presse. Il ne peut pas interdire à un gabonais de lire mon livre. Ce n'est pas possible. Par l'état qui court, on ne peut même plus se permettre ce luxe-là. Donc, je voudrais aussi vous exhorter à lire. Parce que c'est important. Quand on lit, on apprend beaucoup, on s'informe beaucoup et on ne meurt pas bête. Or, le régime d'Ali Bongo a tout fait pour abrutir les Gabonais,
pour que le Gabonais soit désintéressé de la lecture, pour mieux le manipuler. Mais là, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Donc, on va se battre. Et tout ce que j'ai prévu par rapport au Gabon, ça va sortir. Je vous le promets, j'avais pris l'engagement. Les gens pensaient que j'étais en train de blaguer, mais ça, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Je crois que les gens ne me connaissent pas assez. Et pourtant, ils ont vu quand j'étais au Gabon jusqu'où je pouvais aller. Les massacres, là, quand ça s'est passé, j'étais journaliste à l'Union. L'Union, c'est le journal pro-gouvernemental. Mais j'ai osé défier le régime d'Ali Bongo dans son propre journal en disant la vérité. Ça dérangeait Ali Bongo. Il a fait arrêter le directeur du journal, Albert Yangari. Moi, il m'a persécuté, il a voulu me faire éliminer. Il a envoyé les militaires casser chez moi. Mais je ne suis pas mort. Je suis là parce que j'ai une mission pour le Gabon. J'ai une mission pour le Gabon. Je dois la vérité au peuple gabonais. Alors, l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Ça là, c'est pas les journaux. On va torcher le derrière avec ça. Non. Ça reste dans les tiroirs. Ça reste dans la bibliothèque. Je suppose que chacun de vous va désormais faire un effort d'avoir une bibliothèque chez lui. Parce que de plus en plus de Gabonais vont s'intéresser à la littérature. En dehors de moi, il y aura d'autres Gabonais. Parce que je voulais susciter l'émulation aussi. Qu'il y ait davantage de Gabonais qui écrivent pour que l'histoire du Gabon soit connue. Et que plus jamais nos enfants apprennent l'histoire d'autres pays qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Et l'histoire du Gabon doit être écrite par les Gabonais. Parce que, comme vous le savez, tant que les animaux n'auront pas leur propre historien, leur histoire sera racontée par le chasseur. Tant que les animaux n'auront pas leur propre historien, leur histoire sera racontée par le chasseur, et qui est toujours glorieux. Donc, c'est le sens de mon engagement dans cette nouvelle aventure passionnante, pleine de perspectives aussi, parce qu'on a eu les Aimé Césaire, on a eu les Léopold Sédar Senghor qui ont lutté à travers leurs plumes. Moi, je parlais depuis 2015. Je ne fais que parler. Vous savez que j'avais laissé un journal au Gabon, c'était Fait divers. Ali Bongo a tout fait pour qu'on ferme ce journal. Ce n'est pas grave. Il a tout fait pour fermer Fait divers. Mais il ne va pas fermer les livres. Il ne va pas fermer les livres. Ça fait deux, en l'espace de 2 mois. Il y a même des gens. J'étais ce matin, j'étais à Paris. Ils m'ont dit, mais vous avez de l'énergie à vendre. Vous avez de l'énergie à vendre. J'ai dit, oui, moi, ce n'est pas l'énergie d'Ali Bongo. Ali Bongo qui dit qu'il a l'énergie à vendre. Quelle énergie? Moi, j'ai de l'énergie à vendre. Parce que, voilà, je vous prouve qu'en 2 mois, 2 livres. Ça n'arrive pas souvent. 2 mois, 2 livres. Et ce n'est que le début. Des gens qui ont travaillé avec moi, que ce soit à l'Union, ou à Fait divers, ou à École du Nord, ou à Africa numéro 1, ou à TV+, savent que j'ai une vitesse d'exécution. Et je peux vous produire, avant la fin de l'année, je peux vous produire 2 autres livres. J'ai une vitesse d'exécution. Et j'ai beaucoup d'énergie. Pas l'énergie d'Ali Bongo qui dit que j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Non, 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 non. Moi, ce n'est pas Ali Bongo. Donc, soyez fiers que un de vôtre puisse s'engager sur cette belle aventure. Et je souhaiterais que vous m'accompagniez
dans cette belle aventure d'écrire l'histoire du Gabon, de porter haut le flambeau du Gabon à l'international, parce qu'on a besoin de connaître aussi le Gabon. Il y aura la vente numérique, rassurez-vous, il y aura des livres. La version numérique, elle existe déjà d'ailleurs. Que ce soit pour le premier ou le deuxième livre, il y a des versions numériques. Maintenant, je verrai avec l'Harmattan si ce n'est déjà fait. J'ai oublié ces détails lorsque je suis passé aujourd'hui là-bas. C'est de prévoir une version audio. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'yeux, qui n'arrivent pas à bien lire. Les versions audio peuvent les aider. On va s'y atteler. Voilà. Et le livre en différentes langues internationales, ça permettra de faire connaître le Gabon à l'international. Voilà. Donc, je souhaite que vous m'accompagniez dans cette aventure passionnante. Les hommes politiques, je ne compte pas sur eux, même les opposants, je ne compte pas trop sur eux. Parce que je ne fais pas des salamalecs. Et du coup, ils ne peuvent pas m'aider à concrétiser cette belle aventure. Ça a pris du temps, ça a pris du retard parce que j'ai passé plus de temps dans le combat, à passer plus de temps sur les réseaux sociaux et je vais être moins présent sur les réseaux sociaux. Je n'abandonne pas le combat sur les réseaux sociaux puisque c'est notre canal de communication. Mais lorsque vous verrez que je suis peu présent sur les réseaux sociaux, c'est que je suis absorbé parce qu'il y a d'autres livres. Et ça, c'est chaud devant. Il y a deux qui arrive. Je vous avais annoncé du piment. C'est en route. Ça a commencé ici, là. Ici, là, c'est déjà pimenté aussi, épicé. Ça, c'est déjà épicé. Voilà. L'ouvrage a combien de pages? Écoutez, je ne sais pas, mais je n'écris pas les livres de 100 pages, hein? Rassurez-vous. Je suis un écrivain prolixe. Attendez que je regarde. Le premier à 3, le deuxième à 200, à 305 pages. Le deuxième à 305 pages. Le premier, attendez que je regarde, hein, vous savez. En plus, c'est pas le même format. Le premier a 282 pages. Voilà. 282 pages pour le premier, 200, 305 pages pour le deuxième. Il n'y a pas mieux. Hein? Et tout ça a été bouclé en 2 mois. Voilà. Donc, passez la commande. Pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire, puisqu'au Gabon, ce n'est pas encore répandu, ils peuvent m'appeler, dire que j'ai besoin du livre, ou comme ça, j'envoie et je vous demande de récupérer chez telle personne. Je voudrais envoyer en fonction de la demande, parce que ce n'est pas la peine d'envoyer beaucoup de livres qui ne vont pas être achetés. On ne va pas récupérer les frais de transport et tout ça. Voilà. Donc, voilà. Ce que vous attendez est là. Ceux qui disaient que je ne fais rien, je passe mon temps, que je suis un chômeur de luxe, j'espère qu'ils auront encore un peu cet argument-là. Ceux qui ont l'habitude de venir insulter, ils ne savent pas que je travaille en silence, c'est normal. On entend le bruit de l'arbre qui tombe, mais on n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. On entend le bruit de l'arbre qui tombe. Mais on n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. Je suis une forêt qui pousse. Donc ceux qui passent leur temps à venir m'insulter, oui, c'est un chômeur, il est chez lui, il ne fait rien. Voilà le résultat de longues nuits d'insomnie. J'espère qu'ils vont encore ouvrir leur mandibule.
Deux livres en 2 mois. Donc, il y aura une cérémonie de présentation organisée par l'Harmattan. Pour le moment, on prend des mesures sécuritaires parce que la menace est élevée, évidemment. Donc, vous serez informés. Et celui qui viendra avec son poison, qu'il sache que ce sont les Blancs qui organisent la cérémonie et qu'il sera intercepté. Et une fois intercepté, il est parti pour la prison. Donc, je ne veux pas refuser. J'attendais que le deuxième livre sorte pour faire une cérémonie de dédicace. Vous serez informés. Ceux qui auront déjà leur livre, ceux qui sont en France, qui auront déjà leur livre, peuvent venir. On va dédicacer ça sur place. Ceux qui voudront acheter, l'Harmattan enverra son personnel sur place pour vendre les livres et faire dédicacer ça. On va organiser une cérémonie à Paris. Mais de préférence, un week-end pour permettre à ceux qui sont en province d'être là. C'est l'histoire du Gabon qu'on est en train d'écrire. Voilà, là on ne blague plus, ce sont des choses sérieuses qui commencent. Voilà. Donc c'est chaud de vent. C'est chaud de vent. Ouais. Ils ont sous-estimé ma capacité à porter haut le flambeau du Gabon, à parler du peuple gabonais. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'ils ont commencé à se raviser. Ils ont peur. Ils passent même des commandes là pour être les premiers à lire, pour savoir. C'est pas grave. Qu'ils interdisent les livres. Mais Ali Bongo regrettera d'interdire la commercialisation de mes livres au Gabon. Ali Bongo regrettera l'interdiction de la commercialisation de mes livres au Gabon. Parce que plus vous interdisez à quelqu'un de faire quelque chose, la personne veut faire ça. Si vous dites à un enfant, il ne faut pas rentrer dans cette pièce-là, et vous la laissez ouverte, l'enfant va entrer. S'ils étaient intelligents, s'ils n'avaient pas un déficit d'intelligence, ils auraient laissé libre. Or là, ils interdisent. Il y a beaucoup de Gabonais qui viennent là, qui achètent, qui amènent ça. Il y a même une dame. Les Gabonaises, elles sont formidables. Bravo à cette dame-là. Vous savez ce qu'elle a, elle m'a appelé. Elle est à Libreville. Elle est partie de Paris. Vous savez ce qu'elle a fait pour faire entrer son livre? Elle est formidable, cette dame. Donc, elle a acheté les serviettes hygiéniques. Donc, dans le sachet de serviettes hygiéniques, là, elle a mis le livre. Parce que elle se disait, si on arrive à l'aéroport, quand on regarde, que ce soit les douaniers ou les gardes de la PAF, tous les hommes sont toujours rebutés de la serviette hygiénique. C'est même une malédiction de voir la serviette hygiénique d'une femme. Donc, dès que ils ont vu que c'était un sachet de serviette hygiénique, ils n'ont même plus cherché à savoir. Ils ont dit, allez-y, allez-y, non, on n'a pas besoin de regarder ça. Elle m'a dit, hier, Jonas, je suis rentré avec mon livre. Parce que les gens là, ils pensent qu'ils sont plus intelligents et ça va que les Camerounais réfléchissent aujourd'hui. Ils ne pensent pas que les Camerounais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une Gabonaise pouvait réfléchir comme ça? Elle sait que c'est la dictature, qu'on peut bloquer son livre à l'aéroport. Et elle a donc réfléchi autrement. Non, c'est une cérémonie qui est faite. Augustine Manga, c'est une cérémonie. L'Harmattan s'est doté d'une salle pour faire ça. C'est l'Harmattan, chaque éditeur a sa politique. Donc, il y a même le salon du livre, je suis invité. C'est la politique de la maison. Je suis un auteur de l'Harmattan, je ne peux pas dire non, je ne viendrai pas. Parce qu'on me dit, mais pour quelle raison? Si c'est une raison de sécurité. Mais on appelle, il y a la police française qui sera là. Il y aura des policiers en civil avec vous dans la salle. Il faut pas donner l'impression là que à ces gens-là qu'on a peur de tout. Non, c'est trop facile. Quand vous venez, on vous fouille.
Donc, si on voit une substance nocive, tant pis, on vous prendra. Puisque le pouvoir d'Ali Bongo enverra forcément quelqu'un. Il faut aller empoisonner Jonas Moninga. Certains, ils vont dire qu'il n'y aura pas des embrassades comme Jésus, puisqu'on en a déjà parlé. On va faire ça. Donc, ce n'est pas moi, c'est la maison, c'est la politique de la maison, mon éditeur. Les autres écrivains le font, pourquoi pas moi? Je vais le faire, puisque c'est la politique de la maison. Et je ne paye presque rien. Je ne perds rien, quoi, pour vous dire la vérité. Je ne perds rien en allant à cette cérémonie. Au contraire, ça permet à ceux qui ne m'ont pas encore rencontré de visu de me voir aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent beaucoup de choses sur moi. Il y a même quelqu'un qui pensait que j'étais handicapé, que je ne me levais pas. J'ai fait une fois la vidéo. Et la personne m'a appelé pour dire, mais c'est bizarre, on m'a dit que vous êtes né handicapé, vous ne marchez pas. J'ai dit, non, je marche. Je ne me moque pas de ceux qui sont handicapés. Mais moi, ce n'est bon pied, bon oeil. Jusque-là, je n'ai pas connu un événement fâcheux qui m'a privé de ma motricité. Donc, c'est aussi bien de connaître. J'aimerais aussi mettre un nom sur chaque visage. Les Gabonais doivent apprendre à se connaître. Il faut qu'on apprenne à nous connaître. On ne doit pas vivre trop cloisonné aussi. Fréquentons-nous vivants. Voilà, donc, on va faire ça. N'ayez pas peur. Je suis engagé pour le Gabon. Les gens ne me connaissent pas. Il y a des gens qui disent des choses. Ils ne connaissent pas Moulinda. Je suis un homme déterminé. Et quand je suis déterminé, quand je dois faire quelque chose, je ne m'arrête pas. Et on ne m'arrête pas. Même s'il y a un mur, je dois foncer pour détruire ce mur-là, pour aller de l'autre côté. C'est comme ça que je suis. Je suis un homme préparé à ça. Ça, les gens ne me connaissent pas. Si je vous dis que la route doit passer par là, elle doit passer par là. Donc, si Ali Bongo a érigé son mur, ça doit être détruit. Donc, on ne va pas m'arrêter. Un homme ne recule pas. De toute façon, vous le savez déjà que j'ai plus de chances de survie en avançant qu'en reculant. Et eux le savent. Ils le savent. Ils savent que il n'y a rien à négocier avec moi. Ils le savent. Donc, c'est un peu ça. Il devait comprendre maintenant à travers ça que ah, finalement, on a un adversaire coriace. Il n'y a nul opprobre à reconnaître la force de l'autre. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont bloqué, j'ai trouvé toujours une issue de secours. Mais il devait connaître qu'ils ont affaire à quelqu'un de coriace. Qu'on n'influence pas. De toute façon, j'ai l'habitude de vous le dire, qu'on n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. On n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. Donc, il devrait savoir ça. Et quand vous avez quelqu'un de fort en face de vous, vous faites quoi? Vous faites profil bas. Mais ils ne veulent pas. Or, ils ne veulent pas faire profil bas. Ils veulent toujours montrer les durs qui sont forts, qu'ils peuvent détruire tout le monde. Mais non, un fort ne peut pas taper 10 faibles. Un fort ne peut pas taper 10 faibles. Il faut reconnaître quand on a des faiblesses, on dit, bon, en tout cas, il est plus fort que nous. On fait profil bas. Or là, ils continuent à monter sur leur ergo. Et ils pensent qu'ils vont me faire peur. Ils pensent qu'ils auront le combat. Mais combattre Moulinda, c'est combattre le peuple. Et qui combat le peuple, il combat Dieu. Parce que le peuple, c'est l'enfant de Dieu. Ils n'ont pas encore compris ça. Donc ce soir, si j'ai un message à dire aux pédigistes, chers compatriotes, puisque vous êtes des Gabonais malgré vous. Parce que quand vous avez un adversaire là, on dit, les Ivoiriens disent que si l'autre est plus fort que toi, porte son sac. Si l'autre est plus fort que toi, porte son sac. Donc au lieu de me combattre là, il serait mieux de faire profil bas. N'est pas
On ne peut rien. Il n'y a ni l'opprobre à faire profil bas quand on est en position de faiblesse. Et là, ils sont en position de faiblesse. Parce que tout ce qui va sortir, ce n'est pas leur aventure, à leur avantage. Voilà. Donc, moi, j'ai appris à faire profil bas. Hein, parce que j'ai appris les valeurs d'humilité. Quand je sens que je suis en position de faiblesse, je me fais petit. Et se faire petit ne signifie pas devenir petit. Non. Se faire petit ne signifie pas être petit. J'ai appris des valeurs d'humilité. Et là-dedans, d'ailleurs, je voudrais dédier ce livre aux communautés pygmées d'Afrique. Parce que là-dedans, vous allez trouver, on parle du Nzambe aussi. J'ai appris une valeur quand vous allez chez cet homme. Leurs cases sont petites. Et j'avais demandé au vieux Nzambe qui me prenait pour son fils. Parce que moi, je suis grand de taille, plus de 1m83-84. Donc, j'avais du mal à entrer dans les pièces, dans les cases des pygmées parce qu'elles sont petites. Il fallait me courber. Et parfois, quand je sortais, ma tête cognait. Mais ils m'ont dit que ces cases-là ont la particularité de ramener l'homme à son plus petit dénominateur, d'amener l'homme à s'abaisser pour être au même pied d'égalité que tout le monde. Parce que quand on s'abaisse, on se met au niveau à la dimension. Donc on se met au même niveau que les autres. Parce qu'en réalité, nous ne sommes rien. Ça, c'est une valeur que j'ai apprise chez les pygmées et j'ai dédié aux pygmées ces livres-là. Même si on se moque d'eux, mais ce sont des gens qui ont de grandes valeurs. Et ce soir, j'ai une idée particulière pour le vieux Nzambe. J'ai une idée particulière pour tous les pygmées du Gabon. Parce que j'ai appris aussi beaucoup chez eux. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la somme de toutes les valeurs que j'ai amassées tout au long de ma vie. Que ce soit en pays Kisir, en pays Pygmée, en pays Fa, en pays Bichogo, en pays Kota, en pays Nzebi, en pays Miene, partout où je suis passé, je prenais quelque chose. C'est ce qui a fait de moi l'homme qui se trouve en face de vous aujourd'hui et qui est déterminé à aller jusqu'au bout et qui demande aux autres de faire profil bas. Les gens qui détruisent le Gabon. Parce que rien ne va me retenir. Qu'ils apprennent à se faire petit et surtout qu'ils ne sont pas grand-chose. J'ai appris que quand on est en position de faiblesse, on doit se faire petit. Et c'est une stratégie qui nous permet d'échapper à beaucoup de choses trappes qui ne manquent pas sur notre chemin. Quand on est petit, on doit se faire. Quand on est en position de faiblesse, il n'y a rien. On ne perd rien à se faire petit. Je disais que l'une des valeurs que j'ai apprises au sein de la société gabonaise, en particulier dans la société africaine, c'est des valeurs d'humilité. Et surtout lorsqu'on est en position de faiblesse, de ne pas se comporter en pintade orgueilleuse, parce que c'est une attitude suicidaire. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme était un grand chasseur. Il était connu dans toute sa région. Parce qu'à chaque fois qu'il allait en brousse, il revenait toujours avec quelque chose pour nourrir sa famille. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors voilà qu'un jour Mumbina décide
d'aller en brousse. Et quand il arrive là-bas, il dit, aujourd'hui j'ai envie de manger la pintade. Donc il se met à chasser les pintades. Et il réussit à tuer une pintade. Alors, c'est comme ça que mon bilan. Il dit, ça fait longtemps que j'ai mangé la pintade, je vais aller bien la manger aujourd'hui. Il est arrivé au village chez lui. Lui-même, il a chauffé de l'eau. Il a trempé la pintade là pour enlever les plumes. Et après, il a dépecé, il a enlevé les intestins. Il a assaisonné ça. Et comme chez lui, il n'avait pas de four. Dieu ne veut pas gaspiller ça en faisant de la braise au feu de bois. Je vais mettre ça au four. Et comme il n'avait pas de four, il est allé voir le boulanger du village. Donc Mumbina est allé voir le boulanger du village. Et il a dit au boulanger, comme il le connaissait, vous savez, au village, tout le monde se connaît. Alors Mumbina a dit au boulanger, il a dit, pardon, rends-moi ce service-là. Enlève une petite partie là de ton pain là. Tu me mets cette pintade au four. J'ai déjà assaisonné. J'ai mis le piment. J'ai mis l'ail. J'ai mis l'oignon. J'ai mis l'huile. Dis s'il te plaît. Et je repasse le prendre après. Et c'est comme ça que Mumbina laisse sa pintade. Et le boulanger a mis ça au four. Et ça a commencé donc à être rôti. Mais voilà, il y avait le roi Marondi qui était là, qui passait par là, à la boulangerie. Parce qu'il avait passé une commande de pain, de baguette. Quand le roi Marondi arrive, il sent ce qu'on appelle le fumet, l'odeur de quelque chose qu'on prépare là. Une bonne odeur. Et c'est comme ça que le roi Marondi demande au boulanger. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui sent bon comme ça là? Le boulanger dit au roi Marondi, il dit, mais c'est la pintade. Il dit, comment ça? Il dit, non, c'est la pintade, c'est Mumbina qui a amené sa pintade là. Et il a dit qu'il a envie de manger ça, donc il fallait que je mette ça au four. J'ai mis donc la pintade. Il dit, donne-moi ça. Et le boulanger dit, mais mon roi, c'est pas pour moi. Il dit, donne-moi ça, c'est moi le roi. Je suis plus fort que lui. Et c'est comme ça que, comme c'était le roi, alors le boulanger a donné la pintade de Mumbina au roi Marondi, puissant, connu, méchant, père fouettard. Et lorsque Mumbina vient pour récupérer sa pintade, le boulanger dit, ah, écoute, moi, franchement, je voulais te rendre service. Mais le roi est venu ici pour récupérer sa commande de baguette et il a senti l'odeur là de ta pintade. J'ai refusé, mais il a tout fait. Il a pris ça, il a amené. Et c'est comme ça que Mumbina tout de suite fonce sur le roi Marondi. Il dit, ben, mon roi, je suis venu là, il y a le boulanger qui m'a dit que ma pintade n'est plus là-bas, que c'est toi qui l'as prise. Or, moi, je suis déjà presque à table là-bas. Ma femme m'attend, on doit manger ça. Comment on va faire? Elle est où, ma pintade? C'est comme ça que le roi dit, mais la pintade que tu es allé chasser là, elle est mystérieuse. Elle s'est envolée. Il dit, je l'ai amenée ici, quand il est posé à table. Alors, comme par hasard, elle s'est envolée, il y a les plumes qui ont poussé et puis la pétale est partie. Mumbina a dit, ah bon? Le roi Marondi a dit oui. Mumbina a dit, bon, mon roi, ma pétale s'est envolée. Ça s'est aussi envolé avec l'oignon, mon oignon que j'ai mis là-dedans, avec l'ail que j'ai mis là-dedans, avec le piment que j'ai mis là, avec l'huile aussi que j'ai mise. Ça s'est envolé avec ça. Et c'est comme ça que le roi Marondi a dit, ah oui, il pose un problème.
Tiens, un pot de colle qu'il me pose là. Parce que si la pintade s'envole, ça signifie qu'elle a retrouvé sa forme, les plumes, tout. Mais elle ne peut pas s'envoler avec le piment de Mumbina, avec l'huile de Mumbina, avec l'oignon de Mumbina. Non. Est-ce comme ça que le roi a dit, bon, écoute, j'ai fait profil bas, hein. J'avoue que l'odeur que j'ai sentie là-bas, là, hein, je ne pouvais pas m'en passer. On va faire simple. On va manger. C'est là, je m'apprêtais à passer à table. On va manger ça ensemble. C'est comme ça que Mumbina se sentait en position de faiblesse parce qu'il avait affaire au roi. Donc Mumbina a accepté de manger avec le roi. Manger sa propre pintade et de partager ça avec le roi. Parce qu'il savait que oui, il acceptait, oui, il perdait tout parce qu'il était en position de faiblesse. Donc, ils ont trouvé un modus vivendi. Ils ont mangé, donc, la pintade ensemble. Et après, ils se sont séparés. Mais le roi l'a même donné quelque chose. Il a donné quelques billets de banque en guise de compensation, en dehors de. Il n'aurait pas partagé. Et Mubila est parti. Il n'était pas trop perdant parce qu'il avait mangé. Il avait cet appétit boulimique là de manger la pintade. Et il est rentré chez lui. Mais il était déjà rassasié. Il a seulement dit à Marundu, je suis désolé ma chérie, tu as mangé autre chose. Il y a de la viande là-bas. Tu as mangé ça. La pintade là-bas, le roi a mangé. Voilà l'argent qu'il m'a donné. Contente de ça. Donc quand on est en position de faiblesse, il faut faire le profil bas comme Mubila. Quand ce régime du Gabon là est en position de faiblesse, il doit apprendre à faire profil bas. Sinon, on le mettra à genoux. On le mettra à genoux. Il n'y a nul opprobre à faire profil bas. Ali Bongo a accepté de commercialiser ses livres. C'est lui qui était gagnant. Mais il va tout perdre. Parce que ses livres vont se vendre. Et ça se vend bien déjà. Or, si sa société, qu'on appelait Soga Press, qui est devenu Solif ou quelque chose comme ça. Si sa société vendait les livres, mais elle avait une part là-dedans, elle gagnait. Parce que les Camerounais qui connaissent la plume de Moulinda, quand ils verront ça sur les rayons, ils vont acheter. Et du coup, ils ont, je crois, une affaire de 30 ou 40%. Mais regardez, ils préfèrent tout perdre. Par bêtise. Ils préfèrent tout perdre. C'est un choix. La vie, c'est un choix. Ils ont choisi de tout perdre. Mais ils iront jusqu'au bout. Ils vont perdre tout. Jusqu'au pouvoir. Ça viendra. Ils vont perdre le pouvoir. Ils sont dépourvus d'intelligence. Alors que Mumbina vous a montré que quand on est en position de faiblesse, on peut faire profil bas. Comme ça, on ne perd pas tout totalement. On conserve quelque chose. Mais Ali Bongo n'est pas assez intelligent. Alors, j'ai décidé de lui prêter ma sagesse depuis. Mais il ne retient rien. C'est pas grave. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Bonsoir, commandez votre livre. Thank you.